Coucou mes choubidous, alors aujourd'hui je reviens, j'espère que vous allez bien mes choubidous d'amour parce que moi je vous adore. Alors voilà, je reviens aujourd'hui pour vous montrer quelque chose de bien spécifique, c'est ceci. Alors ceci, en fait j'ai nettoyé tous mes pinceaux, c'est pour nettoyer les pinceaux mais c'est révolutionnaire. C'est un cadeau de Mamie Corinne, allez sur sa chaîne parce qu'elle est formidable, Mamie Corinne, Miss Purple, moi je l'adore, c'est ma sœurette, je l'adore. Donc voilà, j'ai mis un fond d'eau, alors vous pouvez mettre normalement, et moi je les ai déjà lavés au préalable, hein, mais vous pouvez mettre un petit peu de produit bain moussant pour votre douche, quoi. Ou, en fait, le produit que vous utilisez pour le corps parce que vous allez effectivement la nettoyer et ça va aller sur votre peau. Alors, on y va. Donc ceci, comme ceci. Là, vous avez le petit pistolet. Donc tout simplement, vous avez le petit pistolet. Vous avez ceci. Vous avez ceci. Ce sont tous les embouts. Alors, je vous explique. On y va. Ici, vous avez le petit pistolet avec les piles à l'intérieur. Ici, vous avez tous les embouts. Moi, en fait, ce que je veux comme embout, je veux celui-ci pour aller là. D'accord? Voilà, je fais ceci et je l'encastre. D'accord? Je le mets bien dedans. Je vais prendre ceci. Normalement, il faut mettre un petit peu de mousse. Alors, pour le corps, comme ça, parce que comme vous le mettez sur le visage, vous n'allez pas mettre du produit à vaisselle, mettez plutôt du produit pour le corps qui ne mousse pas trop. Mais bon, cela dit, c'est pas bien grave. Alors, ce que vous faites. Alors moi, il faut savoir que je les ai déjà lavés au préalable. Hein, donc, vous faites ceci. Voilà. Hop, j'ai pas mis assez d'eau. Voilà, et vous nettoie bien parce qu'il tourne très très vite. Et moi, ce que j'ai besoin, et regardez, moi ce que j'ai besoin, c'est de le faire sécher. Et pour le faire sécher, non mais regardez ça. Alors l'eau ne va pas partout puisque c'est une petite sphère. Regardez, elle va sur les bords. Voilà. Hop, parce que voilà, je pense que c'est bon. Yo, regardez comment ça tourne vite. Voilà, mon pinceau est propre et sec. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le laver déjà au préalable, parce que là ça rince super bien, vous le rincez dans ce petit produit, enfin, dans ce petit vous le rincez directement là, soit tout simplement vous mettez le produit moussant avant et après moi je vous conseille, pour moi je vous conseille de rejeter l'eau et de rincer avec une eau propre. C'est pour ça que moi je lave vite fait mes pinceaux et après je les fais retremper, rincer ici et sécher. Voilà, c'est cette méthode que j'ai trouvée qui me paraît assez bien. Du coup, moi ce que j'ai besoin, vous voyez il est tout sec là, vous voyez pas mais il est vraiment super. Alors hop, moi ce que j'ai, voilà. Voilà mes choubidous, si ma vidéo vous a plu ou un pouce, si elle ne vous plaît pas, regarde à toi, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je vous aime mes choubidous, vous savez que je vous aime.